l'idée de cet atelier provient un peu de moi, dans le sens où je souhaitais que les lycéens aient une expérience sur une durée assez longue de création musicale. Des petits ateliers ponctuels de 2 heures ou de demi-journée semblent bien convenir à des collégiens, mais je pense qu'on pouvait aller chercher un petit peu plus loin avec les lycéens. L'objectif, c'était vraiment de partir de la page blanche, de rien, pour arriver à un produit complètement fini. Écriture de texte, écriture de musique et enregistrement. Passer par jouer, chercher, même chercher sur des instruments qu'on ne connaît pas, mais qu'à un moment, il faut qu'on fasse des choix et qu'il faut être rigoureux dans l'application de ces choix et plus en déroger pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, il y avait la différence, donc, qui est un thème extrêmement vaste, même si ça nous semble super stupide, parce que là-dedans, c'est peut-être là qu'on va voir notre phrase d'accroche. Le but de mon intervention sur l'atelier de cette semaine, je me suis occupé de toute la partie texte, donc l'idée c'est d'arriver à structurer en fait les mots et les idées des élèves, de pouvoir arriver à ce qu'ils s'expriment et à ce qu'ils produisent à un maximum. Une semaine comme celle-ci, ça se passe sur les 2 premiers jours. On fait un rapide rappel un peu de tout ce qui est versification, tu vois, un peu. Et puis après, on se lance dans l'écriture à travers une trame que j'utilise moi tout le temps, c'est-à-dire il y a la recherche du thème. Puis après, comment se structure le texte, de qui parle, à qui, de quoi. D'abord sous forme un peu de petits jeux, pour essayer d'être le plus ludique possible avec eux, parce que même si on est dans le cadre scolaire, l'idée de notre intervention, c'est amener autre chose quand même, justement. Des petits jeux autour du champ lexical, etc., du thème choisi pour pouvoir avancer sur la production d'écriture. Au lieu de mettre après, je te passe juste de mettre avant la pub. Ouais. Histoire de ce qu'on a parlé, de devancer justement cette fois-ci. Moi, je trouve ça vraiment bien. Vous vous rendez compte que juste un mot nous change clairement le sens le sens de ce qu'on veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ? J'ai un peu de boulot le soir, c'est-à-dire que je remets un peu donc en ordre. J'essaie de synthétiser un peu tout ce qu'ils ont pu me dire autour de la même thématique. Et pour le lendemain, du coup, donc j'ai fait ça lundi soir. J'essaie un peu de proposer donc un texte qui était avec leurs mots, mais moi j'ai un peu structuré. Il y avait des bouts de phrases qui étaient un peu plus longues, d'autres un peu plus courtes. Donc voilà, j'essaie de leur proposer un texte structuré. On a fait exact. Si, avec la transition, mais sur le refrain, voilà, on joue pas. Notre combat sera notre aventure. De votre présent dépend notre futur. Faites passer le message, on compte bien tourner la page. Moi j'ai été sollicité pour la composition, enfin au moins pour amener les élèves à composer un morceau par rapport à un texte et y faire des arrangements. Je suis intervenu à partir du 3e jour pour mettre en forme les idées musicales qui sont sorties, c'est-à-dire un accompagnement de guitare par rapport au texte, une structure de base. Et moi, voilà, moi je suis avec mes compétences, j'ai essayé de mettre en forme tout ça, de donner une structure, tout en tenant compte de leur point de vue. On a modifié un peu la grille du refrain 1. Ouais. Tu peux leur montrer. Notre combat sera notre aventure. De votre présent dépend notre futur. Il y a eu le choix des musiciens, des instruments. Donc on a une majorité de guitaristes, pianistes et de batteurs. Ça s'est opéré ce matin. Voilà, donc on est jeudi pour préparer l'enregistrement pour demain. Voilà. L'idée, c'était de leur faire prendre conscience que ça se travaille, que construire un morceau, ça demande de la rigueur, ça demande des choix artistiques et une direction. Moi je crois que c'est bien pour les élèves qui voient ce qui est possible. Si après certains peuvent réutiliser les techniques qu'on leur a amenées pour leur propre création, ça serait vraiment chouette.
c'est leur amener autre chose dans le cadre scolaire, justement, où la créativité n'a pas toujours sa place. J'aime beaucoup voir ce que pensent justement les jeunes de 15, 16, 17 ans, ce qu'ils ont à dire. C'est quand même eux qui feront le monde de demain, donc c'est bien de les écouter, je crois. Force est de constater que ça fonctionne plutôt bien, les élèves se sont bien investis, ont produit beaucoup de choses. Ils ont été confrontés à pas mal de sentiments ou de ressentiments, parfois de frustration, mais ils ont toujours bien géré les situations, ils ont toujours travaillé collectivement pour aboutir à un travail justement collectif.